1 roi 3, 19 à 20. À 3, on y va. Let's read together. 1, 2 et 3. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua, « Nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, « L'une dit, « C'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. » Et l'autre dit, « Nullement, c'est ton fils qui est mort. » Et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. » Deuxième texte. Second text. 1 roi 1, verset 9. First King 1:9. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui est à côté d'Enrogel, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Dites Amen. Amen. Restons assis, s'il vous plaît. Let be seated, please. Prenons note. And take note. Et apprenons. And let's learn. Nous avons eu un séminaire merveilleux cette semaine. We had a wonderful seminar this week. Sur gagner les batailles de la vie. On the topic winning the battle of life. Mercredi. Wednesday. Je l'ai introduit en expliquant des bases essentielles. I introduced it explaining the essential basis. Jeudi, j'ai expliqué qu'on ne détruit pas des hôtels sans se réfugier auprès d'une onction. And Thursday, I said we don't destroy altar without finding a refuge under an anointing. David dit à comment il s'appelait ce sacrificateur. David said to Abiathar. Abiathar. Saül veut te tuer. Saul want to kill you. Le même Saül veut me tuer. The same Saul is plotting to kill mais me. Reste avec moi. But remain with me. Et tu n'auras rien. And you'll nous be avons le même ennemi. We have the enemy. Mais j'ai une onction qui peut te protéger que tu n'as pas. But I have an anointing that can protect me that you don't have. Alors reste avec moi. Then remain with me. Et tu seras sauvé. And you'll be spared. You'll be saved. Dites-moi amen. Très bien. Amen. Et j'ai développé un message dans ce sens. I developed a message in this line. Pour vous expliquer déjà dès le départ qu'on ne va pas détruire des hôtels sans une onction. That we cannot engage in the destruction of altar without an anointing. On a parlé du vaillant héros Gédéon. We talk about a mighty warrior Gideon. Dites-moi amen. Amen. Je vous ai expliqué beaucoup de principes que par exemple, il a dit à l'ange qui s'est révélé à lui. I explained many principles. Si c'est vraiment Dieu attend que j'aille prendre ce qu'il faut et que je vienne faire mon offrande. If it really God wait me to go and take my offering before coming. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que Dieu par un ange a accepté d'attendre un homme, les seules raisons depuis la Genèse jusqu'à tout ce que vous pouvez imaginer, les seules raisons c'est quand il dit je vais faire une offrande. And I realized that when God asked somebody to wait, somebody is because he
Lisez votre Bible, c'est jamais quand il dit je vais prier, c'est toujours quand il dit je vais faire une offrande. He always waits when that man is going to bring an offering. Vérifiez. You can check it in the Bible. Donc ça veut dire it means then qu'il y a un mystère là. That there is a mystery in it. Dieu se révèle à lui. God revealed himself dit, to him. Il dit je pars. And he went. Attends-moi. He said, wait for me. La preuve que c'est Dieu qui s'est révélé à moi là. The truth that is God revealed attends himself. Que j'aille prendre l'offrande et que je vienne. Wait for me to go and take my offering before coming. L'ange dit j'attends. The angel said, I am waiting. Amen. Amen. C'est une règle. It is a rule. Et c'est quand il finit de faire ça maintenant que l'ange lui dit, il faut aller détruire l'autel de ton père. And after the et qu'il lui demande de bâtir. And after the offering, angel tell me to go and détruire destroy et bâtir ensuite un autel. To destroy and to rebuild a new mais ce altar. Qui est important de retenir, what is important to keep here, c'est que la première offrande que Gédéon a faite, Gédéon l'a appelée paix. Gideon called the first offering father. Et la Bible dit que cette offrande était un autel. And the Bible said that this was an altar. Qu'il a nommé that he named du nom de la paix. Of the name of the peace. Voici quelqu'un qui doit aller faire la guerre. Here is somebody who is going to wage war. Et la première action, le premier autel qu'il bâtit s'appelle la paix. And the first altar he built is his name is peace. Je vais être très honnête avec vous. I'd like to be honest with you. En vous disant by saying que pour avoir la paix, that to have peace, vous devez faire la guerre. You must battle. Celui qui ne fait pas la guerre n'aura jamais la paix. The one who never wages war will never have peace. Toutes les nations que vous voyez en paix sont des nations en guerre tous les jours. All the peaceful nations are nations that are always in war. Soit elles font la guerre dans leur territoire. Either they have war in the territory. Soit elles font la guerre dans les territoires voisins. Or in the neighboring territory. Soit elles font la guerre dans d'autres territoires susceptibles de les attaquer. Or other territory, let's say, able to attack them. La paix est le résultat des démarches prises par anticipation. Peace is approach taken by anticipation. Pour éviter. To avoid. Certaines catastrophes. Some catastrophes. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu sais quel est le problème que tu as? Look at somebody and tell them, do you know your problem? Tu n'anticipes pas. You don't anticipate. Je veux parler à ton cœur. I would like to speak to your heart. Dites-moi amen. Say amen. Pour obtenir un résultat dans la vie, il y a toujours des démarches à prendre, mener. We always have some approach if you want to have result in life. Regardez dans le mot démarche, vous avez marche. In the word approach, we have the word to walk. En fait, ça ne marchera jamais si tu ne prends pas, n'est-ce pas, des résolutions qui te permettront de poser des actes qui vont enclencher dans le cadre spirituel la main de Dieu en ta faveur. It will never work if you don't take some precaution that will trigger God's hand in your favor. Avant de rentrer totalement dans le texte, before go deeply into the text, j'aimerais te dire, I would like to say, que je vais te parler sérieusement de trois notions en cette fin d'année jusqu'à la fin de l'année. I'll talk about the three notions of now till the end of the year. Seriously. Parce qu'il y a des démarches à prendre pour bien finir une année et pour bien débuter une autre année. Because there are some approaches to well start and to well end the year. C'est pas le hasard. It's not a chance. Et dans le cadre de cette démarche, and in the frame of these approaches, j'ai besoin que tu deviennes dans les on va dire un, deux ans à venir, non pas un sachant, mais un expert en ce qui concerne trois notions essentielles liées à la royauté dans la vie des enfants de Dieu. And in the two coming years, I would like not to be a knowledgeable man, but a man who is informed in terms of the word of God. La première notion, c'est le trône. The first notion is the throne. La deuxième notion, the second notion, c'est l'autel. Is the altar.
La troisième notion, the third notion, ce sont les alliances. The covenants. Tout le règne spirituel all the spiritual reign est dirigé et gouverné par ces trois notions. En dehors de ces trois notions, il n'y a plus rien. Is led and governed by those three notions. Apart from them, there is nothing. Tout homme de Dieu, any man of God, qui doit prêcher, who has to preach, dans la dynamique de la royauté, in the dynamic of kingship, doit maîtriser ces trois notions. Must master those three notions. Les trônes, the thrones, les autels, altars, et les alliances, and the covenants. Pourquoi? Why? Parce que tout simplement, simply because, là où vous trouvez un trône, fauteuil, where you find a throne, a seat, vous trouvez comme force spirituelle qui maintient ce fauteuil, qui tient ce fauteuil, la notion d'un ou de plusieurs autels. Strength, the frame maintaining it is a notion of one or many altars. Il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas de trône sans autel. There is no throne without altar. Donc c'est l'autel qui donne un trône. The altar gives the throne. C'est pourquoi chaque trône est assis sur un autel. That's why a throne is on an altar. Et comme sur un autel on fait des sacrifices, and since on an altar we have some sacrifices, ça veut dire qu'on tisse des alliances sur l'autel. It means that we have some covenants on an altar. C'est pourquoi les trois notions sont imbriquées. That's why the three notions are interrelated. Et quels que soient les problèmes, and no matter what the problems, que vous pouvez rencontrer dans votre vie, that you can encounter in your life, les solutions viendront par ces trois notions. The solution will result by these three notions. L'humanité, humanity, a été sauvée par l'autel de la croix. Has been saved by the altar of the cross. Même Dieu, even God, n'a pas pu utiliser une autre notion, could not be able to use another notion, que l'autel, other than the altar, pour nous sauver. To save us. Ça veut dire qu'il n'y a rien au-dessus de ça. It means there is nothing above of it. Above it. Dites-moi amen si vous me comprenez. Amen. C'est le sommet. It is the summit. Alléluia. Amen. Claque des doigts et dis trône. Snap your finger and say throne. Dis autel. Altar. Et dis alliance. And covenant. Très fort. Trône. Throne. Autel. Altar. Alliance. Covenant. Dernière fois. Trône. Throne. Autel. Altar. Alliance. C'est par ces notions que l'univers est gouverné. The universe is governed through those que les nations sont gouvernées. The nations are governed. Que les familles sont gouvernées. The families are governed. Et que des églises sont gouvernées. And also churches are governed. Regardez, Dahlia a quitté Look, Bordeaux en France. Dahlia left juste Bordeaux pour venir France, se retrouver sur quoi? Just to come and find herself on what? Un hôtel. On an altar. Elle ne s'est pas mise devant la télé pour dire oui, par la foi, je peux toucher. Ça, c'est une dimension. Elle a senti la nécessité de venir se connecter physiquement. To come and connect physically. Parce que son esprit peut ne pas avoir de problème. Because her spirit may not have mais problem. C'est la chair et le sang. But it's the flesh and the blood. Qui viennent être en contact. That are coming to get into contact. Avec l'autel. With the altar. Dites-moi amen. Amen. Salomon a été confronté à une grosse difficulté. Was confronted to a big difficulty. Une grosse difficulté. A very big difficulty. Deux dames, n'est-ce pas, dormaient. Two ladies were sleeping. Certainement dans la même chambre. Surely in the same bedroom. La même maison et la même chambre. In the same bedroom. Et elles ont dormi toutes les deux. Et il y en a une qui a dormi sur son bébé. And they slept both of them, and one slept on her baby. Il y en a qui dorment très mal. Some really ill sleep. Elle l'a pas fait volontairement. She didn't do it willingly. Elle a dormi sur son bébé. She slept on a baby. Et elle a tué l'enfant. And she killed the baby. Sans le vouloir. Without willing it.
Elle se lève en pleine nuit et elle constate que l'enfant est mort. She woke up by night and noticed that the baby is dead. Et regardez ce qu'elle fait. And look what she did. Elle permute. She swapped. C'est le mois de la permutation. The month of permutation. Elle permute. She permuted or swapped. En prenant son enfant mort. By taking a dead baby. Qu'elle donne à la dame qui a l'enfant vivant. She gave to the. Et elle récupère l'enfant vivant. She recovered the baby who is alive. Et elle se remet à dormir. And she continues sleeping. Au matin. In the morning. Le constat est là. They notice it. Seulement la mère. Only qui regarde l'enfant mort constate que ce n'est pas son bébé. Notice that the baby is not her baby. Elle réalise que ce n'est pas son bébé. She notices that it's not a baby. Et elle comprend que son bébé est allé de l'autre côté. And she understood that the baby was on the other side. Touche quelqu'un, demande lui où vont les bébés que Dieu te donne. Touch somebody and tell them where do the baby God give you go. Le bébé c'est l'image de la bénédiction. The baby is an image of the blessing. Dieu lui a donné. God gave it to her. Mais quelqu'un d'autre a récupéré. But somebody has recovered it. Trois notions essentielles. Three essential notions. Les trônes. The thrones. Les autels. Altars. Et les alliances. And covenants. Mais qu'est-ce qu'on fait? But what do we do? Sur un trône. On a throne. Soit. Either. On te donne une identité. We give you an identity. Soit. Or. On te retire une identité. We withdraw you an identity. Soit. Or. On fait une permutation. We just make a permutation. Il n'y a que deux activités. Parlons expertise. We have only two. Il n'y a que deux activités. We have only two activities. Qui se font sur un trône et sur un autel. That are done on a throne and on an altar. Soit c'est la permutation. Either permutation. Ce qui est à l'un est donné à l'autre. What belongs to one is given to the other. Donc le voleur travaille comme ça. Then that's the way the thief works. Soit. Either. C'est l'identification. It is identification. Il te donne une identité. It gives you an identity. Chômeur. Unemployed. Célibataire. Single. Pauvre. Poor. Cette dame a perdu son bébé. That lady lost a baby. Tourne juste la tête derrière et demande à celui qui est derrière toi, combien de bébés as-tu perdu? Turn your head back and ask her, how many babies have you lost? Ça veut dire? It means. Est-ce que tu réalises combien de fois le voleur t'a volé? Do you realize how many times the thief have stolen? Vous pensez que Lucifer fabrique l'or et l'argent? Non, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais comment se fait-il qu'il détienne aujourd'hui presque tout l'argent? How come that Lucifer had today all the silver? Où est-ce qu'il a pris? Where has he taken it? À qui est-ce qu'il a pris? To whom did he take it? Permutation. Permutation. J'entends des gens qui me disent parfois, papa, je rêve constamment, j'ai beaucoup d'argent, de toutes sortes de devises. People et puis quand ils se réveillent malheureusement, pour avoir un billet de 10 000, c'est tout un combat. They have a currency, but when they alors, wake up, ces difficult. Réalités-là, Dieu te les montre parce qu'il te les a données. Mais où est-ce que ça part spirituellement? C'est récupéré, c'est permuté, ça va ailleurs. It is taken away, it goes anywhere else. Le bébé de cette femme est allé ailleurs. The baby of that lady went somewhere else. Et la Bible dit, and the Bible says, n'eût été la vigilance de sa mère. But for the watchfulness of a mother, elle aurait perdu pour toujours. She would have lost it forever. La maman s'est levée. The mother rose. Et elle a entrepris une démarche. She had an approach. Elle dit, she said, l'enfant mort qui est avec moi n'est pas mon enfant. The dead baby is not mine. Je veux avec une grande violence que tu répètes cette phrase. L'enfant mort qui est avec moi n'est pas mon enfant. The dead baby is not mine. Je ne sens pas la foi dans ce que tu fais. Sois un peu. Say the dead baby is not mine. Non, n'est pas mon enfant. He's not my baby. Elle me l'a donné, mais ce qu'on m'a donné là, ce n'est pas à moi. Ça, c'est pas pour moi. Voyez, regardez déjà comment le miracle commence. Elle commence par refuser
une chose qu'on lui a donnée, qu'elle a identifiée comme étant une réalité qui ne lui appartient pas. Ça veut dire que tu peux avoir des réalités, mais qui ne sont pas à toi. Comment le changement peut s'effectuer? Comment Dieu peut opérer un miracle, une transformation, un changement, si ce qui vient à toi là, tu l'acceptes? How can God work a miracle if what comes you accept it? Comment? How? Et puis on a été tellement mal enseigné au départ que quand c'est comme ça, when tu really entends les gens dire, oh vous savez ça c'est la volonté de Dieu, tout ce que Dieu fait là c'est bon. C'est Dieu même qui a permis que voilà, l'enfant mort là soit vienne à moi, donc c'est la volonté de Dieu. God has allowed it, it is his will. On claque des doigts et dit n'importe quoi. Dis-moi cette phrase, n'importe quoi. Rubbish. Dis avec moi n'importe quoi. Say nonsense. Mais non. But no. Elle dit je refuse. She c'est said, pas I mon bébé. It. I refuse the baby. Je refuse de garder cette situation. Elle n'est pas la mienne. C'est pas ce que, c'est pas ce pourquoi Jésus est mort pour moi. Je refuse ça. I refuse it because it's not why Jesus died for me. Et quand elle finit de refuser, after her refusal, elle dit, il faut que je mène des démarches. She said, I have to make some approach. Je ne vais pas rester couché. I will not remain lying. Parce que c'est en restant couché que l'enfant est mort. It's remain lying that the baby died. Que l'enfant a été pris. That the baby was taken. Je ne vais pas rester dans la même position. I cannot remain in the same position. Elle se lève. She rose. Et elle dit, s'il le faut, she said, if it's je vais aller voir le roi. I'll go and see the king. Mais quand elle dit, je vais aller voir le roi, when you say, I want to see the king, elle est en train de dire, she is saying, je vais me présenter devant le trône. I'll present myself before the throne. N'est-ce pas? Isn't it? Répondez-moi. Answer me. Donc, elle dit, she says, la situation est compliquée. The situation is complicated. Nous ne pouvons pas la régler tous les deux. We cannot settle it both. Mais moi, je sais que l'enfant mort là, c'est pas pour moi. But I know that the dead baby is not mine. Fais comme ça. Non, non, ça c'est pas à moi, c'est pas pour say, moi. Say this is not mine. Donc, tu vas reprendre ton enfant mort. You'll take your dead baby. Tu as permuté, tu as pris ce qui était à moi, you, tu l'as gardé. You took what belongs to me. Tu vas me redonner ce qui est à moi et tu vas prendre la mort. You give me back what belongs to me and take. À la fin de ce séminaire. At the end of this seminary. Moi, je peux te dire aujourd'hui. I can say to you this morning. Que quelqu'un va récolter la mort avant la fin du mois. Somebody will have a death before the end of the month. Oh, tu n'es pas en train de comprendre ce que je suis en train de déclarer. Quelqu'un va récolter la mort. Tu sais pourquoi? Parce que c'est cette même mort qui a été libérée en toi et qui a été semée en toi. Tu ne vas tuer personne. Tu vas leur donner ce qu'ils ont ramené vers toi. Le retour à l'envoyeur, back to the sender, c'est la permutation. Is a permutation. C'est la permutation. This is permutation. Elle dit, she says, je vais voir le roi. I'm going to see the king. Et arrivée devant le roi, and when she was before the king, chacune d'entre elles parle et plaide sa cause. Each of them are pleading for her case. Première vérité. First truth. Touche quelqu'un et dis-lui, va devant le roi. Tell somebody and tell them, go before the king. Bon, je vais le dire autrement. I'm going to say it in another way. Dis-lui, va devant Jésus-Christ. Go before Jesus Christ. Plaider. To plead. Ta cause. Your case. Ça, c'est la première vérité. This is the truth. Et quand elles vont là-bas toutes les deux, when both of them went there, vous savez par quel moyen, you know with what kind of means, le trône établit la vérité, the throne establishes the truth, c'est par l'épée. It is with the sword. Lebra mazu katabaya. C'est par l'épée, it is with the sword, que le trône, that the throne établit la vérité. Establishing the truth. L'épée là, the sword, elle peut bénir, it can bless, mais elle peut tuer aussi. But it can also kill.
Et l'épée là, and the sword, c'est la parole de Dieu. Is the word of God. Donc sur un trône divin, c'est par la parole que Dieu juge, with the word of God, que le roi juge, that the king judges, et qu'il donne le droit à celui qui avait perdu son droit. And allow the right to the one who lost it. À partir de ce deuxième chapitre, from the second chapter, deuxième séminaire, je dis deuxième chapitre. Second chapter. Sur gagner les batailles de la vie. On winning the battle of life. Je viens te dire. I'm coming here to say que le trône that the throne a décidé de juger par l'épée. I decided to judge with a sword. De trancher la situation par l'épée. To settle the case with a sword. La mort qui a été semée en toi retournera d'où elle est venue. The devil will go back to where it comes from. Et la vie qui t'a été prise t'est remise. Ce matin au nom de Jésus. Donne-moi un amen réel, un amen qui vient de ton cœur, un amen de foi authentique. Life is given back to you. Alléluia. Amen. Donc l'ennemi travaille par la permutation. The enemy works with permutation. Je vous promets que souvent les agents des ténèbres, sometimes agents of the darkness, opère par la permutation même au niveau des salutations. Work with permutation through greetings. Par une salutation. By a greetings. Quelqu'un peut te prendre quelque chose. Somebody can take something away from you. Si tu n'as pas de spiritualité. If you have no spirituality. Et quand on te prend quelque chose, tu sens quelque chose sortir de toi. You can feel something coming out of you. Tu sens un mouvement. You feel. C'est physique. You feel something physical, a physical move. Moi, quand ça m'arrive, when it happened to y en a qui arrivent à te surprendre. Some can surprise you. Quand ça m'arrive, when it happened to me, je te rappelle. I remind you. I call you again. Je mets mes mains dans tes mains. I put my hand in your hand again. Mais cette fois, je ne prends pas seulement ce qui est à moi. But this time, I don't take what belongs to me. Je vais te montrer qu'on fait pas ça à tout le monde. I show you that we don't do this thing to any kind of people. Je maintiens ta main. I hold your hand. Et comme me vider de la grâce, c'est ton objectif. Since empty me from my grace is your intention. Tu vas vivre toute ta vie sans grâce. You live all your life long without any grace. C'est une bonne chose. Is it? It's a good thing. Vis ainsi. Then live this way. Claque tes doigts, dis permutation. Snap your finger and say permutation. Regarde ton voisin, dis où est parti ce bébé promotion dont Dieu te parlait depuis. Tell your neighbor, where has the baby gone? Hein? Ce monsieur-là, il vient, il te regarde dans les yeux. Tu sens qu'il est fou, amoureux de toi, et puis du jour au lendemain, il est parti, quoi. The man look at you, he's in love. Il part où? But he leaves overnight. Et puis, excuse-moi, même parfois, ce qui va soulever là, toi-même, ça dit tu es là. Et il va là. Ça dit, le diable ridiculise les gens. The devil likes to ridicule people. Là où tu vois l'œuvre du diable, tu trouves le ridicule. Hein? When you see the work of the devil, you can say what is ridiculous. Parce qu'il te fait prendre des décisions qui te font jamais monter, mais qui te font descendre. Allow you to make decisions that never make you climb up but climb down. C'est, la vie, c'est l'avancement. Comment tu peux quitter un supérieur pour aller vers un inférieur? Life is a progress. How can you leave the upper side to come to the lower side? Vous comprenez ce que je veux dire? You understand what I'm saying? Elle va chez le roi. She goes to the king. Et le roi dit. And the king says. Tranchons par l'épée. Let's settle with the sword. C'est là que la vérité va sortir. Here we'll have the truth. La vraie mère dit non, tue pas mon enfant. The true mother say will not kill my baby. Et la force dit tuons-le. And the false one say let's kill him. Le roi a levé l'épée. The king lifted the sword. La parole. The words. Et la parole a jugé, elle dit c'est toi la vraie mère. And the word say you are the true mother. Et la vraie mère a récupéré son enfant. And the true mother recovered her baby.
Nous ferons cette proclamation à la fin de mon message. We'll do this proclamation at the end of my message. Que l'épée tranche. May the sword settle. Et que ce qui est à toi te revienne. May what belongs to you comes back to you. Donne-moi un amen majeur si tu comprends. Deuxième vérité. Second truth. Donc vous voyez ici, c'est un trône qui a permis de... Répondez-moi, qui a permis de... De trancher, de résoudre le problème. Yeah, the throne allowed to settle the problem. Mais pour que le trône tranche, but for the throne to settle la the problem, maman a mené une démarche. The mother had endeavored something. Elle ne s'est pas assise. She didn't remain still. Elle n'est pas restée couchée. She didn't remain... Elle a dû faire quelque chose. She had to do something. Deuxièmement, secondly, 1 Roi 1:9. First King 9. David est devenu vieux. Grew old. Il était le roi. He was a king. Il a choisi Salomon. He chose Solomon comme successeur. As his successor. Sur son trône. On his throne. Adonijah est le frère aîné de Salomon. Adonijah was the senior brother of Solomon. Il trouve la décision de son père injuste. He found the decision of his father unfair. Ce qui est déjà très incorrect parce que il n'a pas à juger la décision de son père et il n'est pas le roi. What was unfair because he does not have the right to judge his father and is not the king. Il trouve la décision de son père injuste. He found the decision of his father unfair. Et il décide de son propre chef. He decided by himself de renverser la volonté de son père. De détruire Salomon son frère to overturn et de s'installer lui-même comme étant roi. To destroy his brother Solomon and settle himself as a king. Mais pour arriver à son but, but to reach his purpose, Adonijah sait qu'il est prince, il est fils du roi au même titre que Salomon. Adonijah know that he's a prince at the same foot as Solomon. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit. What is going to do? The Bible says. Il va aller sur un autel. He will go on an altar. Il va tuer des veaux. He'll kill some oxen. Des brebis, des bœufs. Some sheep and the cattle. Des veaux gras. Fat and the cattle. Près de la pierre, vous avez l'autel. Next to the stone, we have Zoelet, Zoelet, qui est à côté d'Enrogel. By Enrogel. Maintenant, quand il a tué when he killed les them, animaux, all the animals, pour établir l'alliance, to establish the covenant, il demande à tous ses frères, he asks all his brothers, de venir manger avec lui, to come and eat with him, et il demande aux hommes de Judas, and asks to the men of Judah, de venir également manger avec lui, equally to come and eat with them. La Bible dit quand il a fait cela, the Bible says when he did so, le cœur, the heart, du peuple, or the people, s'est tourné vers lui, turned to him. Vous savez souvent ce qui permet aux gens de détourner d'autres gens. You know some what allows some people to deter other people. C'est la nourriture, c'est l'argent. Okay, to turn back the view is the food. Dites-moi amen, très bien. Amen. C'est vrai ou pas? True or false? Adonijah dit, je refuse la décision de papa qui est sur le trône. Adonijah say, I refuse the decision of daddy on the throne. Mais il y a une notion qui peut renverser la décision du trône. But there is another decision that can overturn the decision of the throne. Je vais aller bâtir un autel. I'm going to build an altar. Je commence tout doucement. I'm going slowly. Il part. He left. Et il sacrifie. Et il y a communion sur le sacrifice. Il mange la décision d'Adonijah. He make a sacrifice and they fellowship it. Leur cœur se tourne vers Adonijah. Their heart turn to Adonijah. David est en danger. David is in jeopardy. Salomon est en danger. Solomon is in jeopardy. David réfléchit. David think over. Il dit je suis le roi. He said I am the king. J'ai pris une décision. I made a decision. Mais mon fils est en train de remettre ma décision en question et il a réussi. But my son spirituellement à la renverser. My son is questioning my decision and overturn it. En allant bâtir un autel démoniaque. By building a demonic altar. Dans quel but? In what purpose? Permuter la grâce de Salomon. You have to swear for Solomon's blessing. En fin d'année, des gens bâtissent des hôtels à des ténèbres pour prendre tes grâces. In the end of year, people erect altar to
demon just to take your graces. Je veux que tu saches, I would like you to know, qu'on est en plein dans la saison. That we are in full season. Je veux que tu le saches. I would like you to know on that est en plein, we are in full season. Dans la saison. In full season. Alors David dit, then David says, il faut que j'empêche cette forfaiture. I need to prevent this plot. David, David demande, ask au sacrificateur, to the priest, high priest, d'aller sacrifier sur l'autel de l'Éternel. To go and sacrifice on the altar des taureaux, of the Lord, some bulls, des brebis, some sheep, des veaux gras, some fattened avec cattle, plusieurs libations ordinaires. With many ordinary libations. Et la Bible dit et d'autres sacrifices en grand nombre. And the Bible mentions other big sacrifices. Le peuple est invité, il mange. The people is invited to the feast, they eat. Et son cœur se détourne d'Adonijah. And they turn their heart to Adonijah. C'est totalement spirituel cette histoire. This is a total spiritual. David est encore le roi. David is still the king. Mais sa décision et sa royauté ont été renversées par l'autel bâti par son fils. By decision and kingship has been overturned by the altar of his son. Alors au lieu de libérer l'armée parce qu'il avait encore l'armée avec lui pour aller contre Adonijah, il comprend que spirituellement il a perdu. Instead of commanding the army, he noticed that spiritually he has lost it. C'est pas une affaire d'armée. It's not a matter of army. Donc il dit maintenant au sacrificateur, va sacrifier plus que le petit là. He said to the priest, go and sacrifice more than him. Sur l'autel de l'Éternel. On the altar of the Lord. Et quand lui il va faire ça, when he sacrificed, la Bible dit, the Bible says, le peuple revient. The people came back. Ça veut dire quoi? What does it mean? Ça veut dire, it means, que Salomon a obtenu sa royauté, that Solomon had his kingship, non pas par son père, not through his father, mais sur un autel, but on an altar. Puisque papa l'a dit, since daddy said it, et un autel démoniaque a renversé, and a demonic altar overturned it. Donc papa, pour restaurer ce qu'il a dit, that for the restoration, va reconstruire un autel à l'Éternel, go and build an altar to the Lord. Et la Bible dit que Salomon, and the Bible est restauré. Someone is restored. Maintenant regardez la démarche. Now look at the approach. David est incroyable. David is unbelievable. C'est la première fois que je vois ça. It's the first time I see this. De son vivant. When he was alive. Pendant qu'il est très vieux. When he was very old. Bon, vieux tout court. Old simply. Il finit, quand il finit ça, when he ended up, il publie, he published, que Salomon, that Solomon est devenu le nouveau roi. Has become the new king. Salomon n'est pas devenu roi à la mort de son père. Solomon didn't become the king at the death of Salomon his father. Est devenu roi du vivant. He became the king when his father, de son père, when his father was alive. Parce que son père savait que s'il attendait la mort, because he knew that if he want to c'était wait pas for sûr death, que ses volontés soient respectées. He was not sure his will to be respected. Claque des doigts et dit la spiritualité, la spiritualité, la spiritualité, la spiritualité. Ce sont des règles. They are rules. Ce sont des règles. They are rules. Ce sont des règles. They are rules. Mais Adonijah était bien enseigné. Adonijah was really taught. Il savait qu'à partir d'un autel, il pouvait annuler la décision de son père. He knew that from an altar he could cancel the decision of his father. Qui était le roi sur le trône? Was the king on the throne? Alors, s'il ne peut pas aller voir le trône, if he cannot go and see the throne, pour avoir le salut, parce que celui qui est sur le trône to have the salvation, n'est pas pour lui. The one on the throne is not for him. Il sait que la force d'un trône c'est un autel. He knows that the strength of a donc, throne is il va renverser ce qui fait la force de son père. Then he overturned what makes the en allant ériger un autel démoniaque. By erecting a demonic altar. Je rappelle quand même. I would like to remind you all je the rappelle same. Quand même. I would like to remind all the same. Je rappelle quand même. I would like to remind all the same que dans la nouvelle alliance, that in the new covenant, on ne fait pas de sacrifice. We don't make a sacrifice. De taureau, of bull, de bélier, of sheep, d'agneau, of lamb, etc. etc.
Mais dans la nouvelle alliance, but in the new covenant, on sacrifie toujours. We always sacrifice. Puisqu'on est des sacrificateurs. Since we are priests. Apocalypse 5:10. Revelation 5:10. Et je rappelle, and I would like to remind, que pour que David, that for David, puisse faire asseoir son fils, to be able to sit his son, Salomon sur le trône de son vivant, Solomon on the throne when he is alive. Regardez l'urgence de la situation. Look at the emergency. Regardez l'urgence de son vivant. The emergency when he was alive. Pour que David puisse faire ça. For David to do it. La Bible dit. The Bible says. Ce David dont je vous parle. The David I'm talking about. A offert 1000 taureaux. Offered 10,000 bulls. À son Dieu. To his God. 1000. 10,000. C'est le chiffre prophétique de l'infini. It is the infinite number. Le taureau. The bull, c'est le symbole prophétique du combat. It is a prophetic symbol of the warfare. Quand David offre 1000, when he offered 1,000 taureaux, 1,000 the bull, il dit à son Dieu alors, he said to his God, puisque le taureau c'est le combat, seeing the bull is a fight, combat les combats de mon fils, fight the fight of my son, à l'infini, in an infinite way. Salomon, Solomon est le premier roi, he's the first king, dans les Écritures, in the scriptures, qui n'a eu aucun roi pour le combattre, who had no king to fight against him, jusqu'à sa mort, till his death. Amen. Et qui avait fait ça? And who did it? C'est son père, it was his father, qui avait sécurisé son trône, who safeguarded his throne. Amen. Mais offrir au Dieu de David, but offering to God, to the God un millier de taureaux, thousand bulls, cela pourrait être quantifié, it may quantify, à une dimension allant de 300 millions going to 300 de nos francs à 3 milliards to 3 billion, to 300 billion. En un jour, only for one day, pour que son fils devienne roi, for his son to become a king, et que sa royauté soit protégée, and for his kingship to be safeguarded. Est-ce que vous savez pourquoi les gens tuent les taureaux partout? Do you know why people kill bulls everywhere? On dit tous, oh, on n'est pas concerné par ces choses. We all say we're not concerned by those things. Mais vous êtes géré par ces choses. But you are managed by those things. Que tu le veuilles ou pas, tu es géré. May you want it or not, you are managed by those things. Oui, parce que les gens ne comprennent pas because les règles spirituelles. People don't understand spiritual rules. Ils ne comprennent pas. They don't understand. Naturellement, tu ne peux pas appliquer ce que tu n'as pas compris. Surely you cannot apply what you did not understand. Donc, tu n'as pas les résultats. Then you don't have the result. Je vais vous choquer. I'm going to shock you. Je peux? Can I? Je vous ai enseigné cette semaine qu'il y a sept dominations majeures. I said that we have seven main dominion. Lundi, la lune. Monday, the moon. Mardi, la planète Mars. Tuesday, la planète Mars. Mars planet. Mercredi, Mercure. Wednesday, Mercury. Jeudi, Jupiter. Thursday, vendredi, Jupiter. Vénus. Samedi, Friday, Saturne. Venus. Saturday, et dimanche, and Sunday, c'est le jour du soleil. Is the Sunday, le dieu soleil. The God Sun. Ce sont des dominations. They are dominion. Tous ceux qui sont sur terre, all those on earth, n'échappent pas à leur influence. Cannot escape their influence. Mais la semaine commence. But the week is beginning. Le lundi. On Monday. Le lundi est dirigé. The Monday is led par le dieu lune. By God Moon. Qui adore la lune? Who worships the moon? L'un des jours les plus puissants de la semaine, one of the most powerful day of the week, c'est le lundi, is Monday.
Si tu ne rentres pas par le lundi, c'est pas sûr que tu atteignes le dimanche. If you get in by Monday, you cannot reach Sunday. Asseyez-vous, écoutez-moi. Je parle. C'est pas une prédication, je vous parle. I'm speaking to you. Et je vous parle de ce que je fais au quotidien. And I'm speaking about what I daily do. Je vais vous faire une confidence. Cette année, this year, j'ai des ennemis. I have some enemies qui sont allés en esprit sur la tombe de mon père et de ma mère au cimetière à côté ici. On the grave of my father and mother in the graveyard. Ils ont parlé à la terre et ils ont bâti des autels. They spoke to the earth and they built altars. Pour que je ne termine pas l'année vivant. For me not to end the year alive. Attends, c'est pas fait de retour. Faut pas parler vite comme ça, retour à l'envoyeur. Pourquoi Why? Ils se sont pas mis devant moi pour me dire je te maudis? Why didn't they stand before me to say I curse you? Pourquoi ils se sont pas mis devant moi pour pourquoi ils ont utilisé ce principe? Why did they use this principle? Mais s'ils utilisent ce principe, either use this principle. Je m'excuse. Sorry. Mais le dispensateur dans ma génération du message sur les hôtels en Côte d'Ivoire, c'est moi. But the dispenser of the message. Donc ça veut dire que j'ai un degré de connaissance par rapport à ça. I have a level of knowledge related si to that. Si j'utilise le principe, comment voulez-vous que je puisse les vaincre sans que moi-même je n'aille utiliser aussi mais le principe mais du côté de Dieu. Either you the principle I have to use mine by Je ne vais pas juste dire retour à l'envoyeur. I cannot say only back to the sender. Ils ont établi un hôtel de mort. They have established an altar of death. Ils n'ont plus besoin de parler, c'est l'hôtel qui va crier. They no longer need to speak, the altar will shout. Qu'est-ce que je dois faire? What must I do? Combien de chrétiens en fin d'année dorment et ils voient des morts, ils prient mais ça ne change pas. C'est pas juste la prière. Quand ta prière n'arrive pas à vaincre la situation, c'est parce que la situation a utilisé une autre règle. When your prayer cannot overcome, it's because they have used another. Que tu dois discerner et utiliser en retour pour pouvoir vaincre la situation. That you have to discern and use and overcome the situation. Tu peux ne pas comprendre, mais moi je vais te dire. You may not understand, but I would like to ils say. Vont t'envoyer sur des hôtels en cette fin d'année, obligatoire. They will send à cause de la lumière que tu as et à cause de ce que tu transportes. Because of the light that you have and what you carry. Oui. Yes. Laisse-moi dire, va interdire the spirit leurs imprécations. Go and forbid the imprecations. Va interdire. Go and forbid. La vie est spirituelle. Life is quand spiritual. On était aux deux plateaux au début, quand on est arrivé, when we were in the tout l'endroit plateau, c'était du sable. All the place was sand. C'était du sable. It was the sand. C'était du sable. It was the sand. Je suis couché, je perçois en esprit que quelqu'un est venu prendre le sable de l'église. Somebody took the sand of the church et allait faire des incantations pour disperser le troupeau. And say some incantation to scatter the sheep. Je me suis levé. I awoke. Et j'ai dit, il faut qu'on mette quelque chose de sorte qu'on puisse plus ramasser le sable. And I said we need to put something to cover it for people not to be able to take the sand. Ça n'a même pas été fait au départ. It was not done in the beginning. Par souci de bien-être. Just for a ça a été fait pour contrecarrer. It was done to counter une réalité spirituelle. A spiritual reality. Les meilleurs en permutation. The best in permutation. Il y a des gens ici qui auraient dû être mariés depuis longtemps. Hein? Some here should have been married. C'est-à-dire l'homme de ta vie là, il allait marier quelqu'un d'autre. But the man of your life is married to somebody else. Les hommes de votre vie là, ils sont allés marier d'autres personnes. Men of your life parce que sur un hôtel, des gens ont permuté. Because ils ont pris ton mari, ils sont allés donner ailleurs et puis ils ont fait sacrifice. They give your husband to somebody else. Et comme tu n'es pas enseigné et que tu ne comprends pas ces choses, tu es là rababa, ribababa, rababa, ribababa.
Résultat, célibataire. Since you are not taught and you only pray in tongues, you are single. Tu meurs, tu vas au ciel. You die, you go to the heaven. Mais il y a des choses que tu vas pas goûter sur la terre. Si tu es correct, you will not taste on earth. Et si tu n'es pas correct, tu as triché. If you are not correct, you will cheat. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Who is getting what I'm saying? Répondez-moi, je dis qui comprend Answer ce que me, je suis en train de dire? Who is getting what I'm saying? J'ai des dimensions de combat parfois. I have some levels of fight sometimes. Qui font que les versets que je connais là, making that the verses I know, ça peut ne pas marcher dans la prière, may not work in sans prayer, que ce soit soutenu without the support par certaines règles spirituelles, or some spiritual rules. Qui comprend ça? Who is getting what I'm saying? Si vous commencez à manifester, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de libérer des gens. Mais en réalité, je suis en train de vous dire, just telling you, que beaucoup de gens ici ont perdu, many here have lost, ce que Dieu leur a donné. What God gave them. Mais c'est fait sur des autels démoniaques. But this happened on demonic altars. C'est pourquoi la définition spirituelle que moi je donne à un autel, pardon, à une église, c'est un autel, c'est tout. That spiritual definition I gave to a church is just it is an altar. The church is an altar. Je bénis Dieu, hein, parce que le message sur les autels est en train d'être compris de plus en plus sur à l'échelle mondiale. By the grace of God, the message of deliverance. Ici particulièrement à Cocody et puis ainsi de suite, parce que c'est ce qui est. Donc vous ne pouvez pas venir à l'ambassade des miracles et puis ne pas comprendre le message que je vous prêche. You cannot be at a miracle embassy church and not understand the message that I'm releasing to you. Vous ne serez pas transporté, vous serez emporté. You will not be carried but move away. Vous me comprenez? Do you understand me? Je suis le roi. I am the king. Je dis voici, c'est mon fils là qui va régner à ma place. I say, here is my son who will reign. Un autre prince dit, je vais renverser ta parole en allant bâtir un hôtel. I'll overturn your word by building an altar. Le roi a l'armée, il dit je peux pas utiliser l'armée parce que ce qu'il a fait là, il a enlevé. The king say I will not use the army because he remove what I put. Donc faut que j'aille restaurer. Then I need to restore. Et quand il va restaurer, then after this restoration, il proclame maintenant tu es devenu roi. He Personne proclaim ne peut that you are a king. No one can take Et it David away from est très you. Stratégique. And David has a strategy. Donc il offre, par exemple, le combat à l'infini. He offered the fight everlasting. Le plus pauvre parmi les musulmans, quand son enfant naît, au huitième jour, il tue un bélier. The poorest Muslim, même s'il est pauvre, kill a ram, il va demander, il va tuer un bélier. He will kill a ram after the birth of his baby. Le bélier dans la Bible est le symbole du règne. The ram in the Bible is the symbol of a reign. Nous, on ne tue pas de bélier. We don't kill a ram. Parce que le nôtre, il est mort sur la croix. Because Howard died on the cross. Qui était son autel à lui. It was his altar. Et celui qui est mort sur la croix est devenu l'autel de l'église. And the one who died on the cross became the altar of the church. Et il dit que nous, nous sommes des sacrificateurs sur cet autel. And he said we are priests on this altar. Quel autel peut fonctionner sans un sacrifice? What kind of altar can work without Jésus est le sacrifice? Sacrifice de l'autel de la croix. Jesus is the sacrifice. Je suis le sacrifice sur l'autel de Christ. I am the sacrifice on the altar of Christ. La fin de l'année est dangereuse. The end of the year is dangerous. Il faut des gens qui ont l'esprit alerte. Need people who have a quick mind. Et qui agissent comme Dieu leur demande de le faire. Who act as God Pas comme who ils le veulent. Not comme as they Dieu wish, leur demande de le faire. But as God is asking them to do. Maintenant, enseigner aussi sur les autels, now also thoughts on altars, c'est très spirituel. It is very spiritual. Donc je comprends que ce ne soit pas à la portée de tout le monde. I understand that it's not at the scope of everybody. Vous comprenez ce que je you veux understand dire? What I'm saying?
Mais je vous assure que tous ceux qui dirigent, but please, all those who lead, utilisent ces principes pour soumettre tout le monde. Use those principles to submit everybody. Et ça marche. And it works. Et ça, ça marche. And it works. David a fait en sorte que son fils n'ait aucun combat dans sa vie jusqu'à sa mort. David made sure his son not to have any battle. Il a sécurisé sa destinée sur un autel. He safeguarded his destiny on an altar. Pose la question à ton voisin. Comment tu sécurises une semaine, un mois, une année sur ta vie? How do you safeguard a week, a month, a year over your life? Et sur la vie de tes enfants? And on the life of your children. Associer à la foi à la connaissance. Put with your faith, put your faith sinon your knowledge. Votre foi ne sera pas productive. Otherwise, your faith will not produce. Associer la connaissance. Associate to your knowledge. Associons la connaissance. Let associate knowledge. Alléluia. Amen. Résumé. Summary. Première démarche entreprise. First approach. Par la dame qui a perdu son bébé. By the lady who lost the baby. Elle a décidé d'aller voir le trône. She decided to go and see the throne. Pour que le trône tranche par l'épée. For the throne settled with the sword. Qui est la parole de Dieu. With the, which is the word of God. Et le trône a tranché, elle a retrouvé son bébé. And the throne settled, she found she recovered her baby. David était lui déjà sur le trône. David was already on the throne. Son trône était en danger. His throne was in jeopardy. Et son premier fils a voulu renverser sa volonté. And his first son wanted to overturn his will. Sur un autel. On an altar. Mais regardez la puissance de ce qu'il a fait. Notice the power of what he did. David était oui. David was anointed. Il était encore vivant et roi. He was still alive and king. Il dit attention, il faut que j'aille faire quelque chose. He said, be careful, I have to do something. Sinon le petit là, il va passer. Otherwise, he will take the throne. Regarde-moi. Look at me. En cette fin d'année. In this end of year. Moi, si tu veux me tuer. If you want to kill me. Vraiment, je vais te massacrer. Really, I'll massacre you. Et puis ça va se faire voir. Hein. And you'll see it. Il y a des domaines dans lesquels tu dois te mettre devant Dieu. There are fields in which you have to stand before God. Et ce sont des choses que j'ai déjà faites. There are things that I've already done. Il y a des domaines dans lesquels tu dois te mettre devant Dieu. There are fields in which you have to stand before God. Je ne peux pas dire ça parce que je prêche. Je suis très humain. I am very human. J'aime l'homme. I love man. J'aime pas faire du mal. I don't like to harm a man. C'est pour ça que je suis devenu serviteur de Dieu. That's why I become a servant of God. Mais je suis aussi divin. But I'm also divine. Un diacre ici, a deacon here, a vu son frère être sacrifié par leur mère, so his son à partir d'une offrande qu'elle a déposée sur un autel. By the mother with an offering on an altar. Il vient me voir et dit prie pour lui. J'ai dit je peux pas prier. He asked me to pray. I said I cannot pray. Ça va pas marcher. It will not work. Elle a été sacrifiée. She was sacrificed. Il a été sacrifié sur un autel. Sacrificed on an altar. Comment veux-tu que moi j'utilise la bouche là où c'est un autel qui a parlé? How do you want me just to open the mouth where an altar spoke? Pas. It cannot happen. Demande-lui de prendre le même montant et de rajouter quelque chose dessus pour le mettre sur l'autel de Dieu et ask je vais parler. To take the same amount and add something on an altar. Quand il a obéi, when he obeyed, la maman est morte. The mother died. À la place de son fils. As a substitution to his son. Ce sont des règles. They are rules. Si tu n'entreprends pas de démarche pour tes enfants, if you don't undertake any approach for le your diable children, peut les détruire. The devil will destroy them.
Si tu n'entreprends pas de démarche pour ton couple, if you don't have any endeavor for your couple, si tu n'entreprends pas de démarche pour tes entreprises, if you have no endeavor for your company, si tu n'entreprends pas de démarche pour ta santé, if you have no endeavor for your health, si tu croises les bras et tu dis c'est Dieu, Dieu va faire, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, if you just tu risques d'être surpris désagréablement. You'll pray and be la foi, c'est l'action. Faith equals action. Ce n'est pas dire c'est Dieu. Just saying it's God. Tiens-toi debout. Stand on your feet. Et dis à quelqu'un. And say to somebody. Va vers le trône. Go to the throne. Va vers l'autel. Go to the altar. Et tu verras la gloire de Dieu. And you'll see the glory of God. Acclame Dieu pour ça. Give a clap offering to God. Je vais prendre trois questions et puis on va partir. Three questions and we'll stop. J'ai beaucoup prié pour vous cette semaine. I pray a lot for you this week. Je vais prendre trois questions. Three questions. Trois questions. Three questions. Une main, une deuxième main, une troisième main, une quatrième main. Laissez les mains en l'air, laissez les mains en l'air. Je te donne la responsabilité de donner le micro à qui tu veux. Mais sois juste devant, le milieu et derrière. C'est toi qui décides. Lève-toi, présente-toi. D'accord. Bonjour papa. Moi je suis Geneviève Kouakou. Mm-hmm. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est permis pour un chrétien, par exemple qui veut un poste, de bâtir les hôtels pour la voie? Je prends l'exemple simple. Il y a un poste plus élevé dans mon administration et moi je veux le poste. Oh, il y a quelqu'un déjà qui est là. Et c'est en tant que chrétienne, ça m'est permis de bâtir les hôtels pour pouvoir avoir ce poste-là. Mais pourquoi cette réaction? C'est quoi? Vous connaissez la réponse quoi? Maintenant, regardez-moi ici. Chut. Je ne vais pas aller baisser la main. Je ne vais pas aller très loin, peut-être à cause du temps. Mais je veux que tu saches que si toi, tu ne bâtis pas un hôtel en l'honneur de ton Dieu, if you don't build an altar in honor of your God, tous tes compétiteurs all your competitors sur ce poste on that position bâtiront des hôtels en l'honneur de leur Dieu. Will build altar in the honor of the God. Mais en fait, ce qui nous a, pardon de cette expression, mais ce qui nous a tués même carrément, nous les évangéliques, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas expliqué les réalités spirituelles, comment ça fonctionne. They didn't explain how spiritual reality works. Dieu envoie un être spirituel qu'on appelle un veilleur. God sent a spiritual man called a watcher. À un empereur sous Daniel. To an emperor under Daniel. Il lui dit, he told him, comptez, comptez, pesez, divisez. Count, weigh, divide it. Il dit, he said, tes actes ont été mis dans une balance. Your action has been put in a scale. Ça a été pesé. It has been weighed. Tu as été trouvé léger. You have been found light. Ton royaume est divisé. Your kingdom is divided. Ça, c'est le mystère de la balance. This is the mystery of a scale. Mais la balance sert à quoi? But what is the scale? C'est pas pour le ciel. Not for the heaven. C'est pour recueillir le poids de nos actes. It is to collect the weight of our actions. Tu peux bâtir un hôtel qui n'a pas de poids. You can build an altar without weight. Et tu vas t'enorgueillir et dire, ah oui, mais moi je bâtis des hôtels. Non, ton hôtel n'a pas de poids. You may pride yourself, but your altar does not have any weight. Je peux être honnête avec vous. Can I be honest with you?
Il y a plus de 3 ans, 3, 4 ans en arrière, le Saint-Esprit m'a dit, je t'interdis de donner moins de 12 millions à la nuit du 31 décembre. Je te l'interdis. The Spirit forbid me to give less than 12 million at the end, in December. J'ai dit comment ça? I said how? Il dit c'est à cause de là où tu vas. He said because of where I'm leading you. Une année se prépare. One year is getting ready. Bon, je crois que je suis en train d'aller vers le double maintenant. I think I'm going to the double now. Je sais comment je prépare, mais je connais un peu la spiritualité. I have a knowledge of spirituality. On joue pas avec ça. We don't joke with that. Des gens peuvent mourir avant le temps, people can die avoir time. Leur esprit sauvé, mais rater leur mission terrestre. But they can miss the earthly mission. Parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Because they don't know how it works. Il faut qu'on vous prêche la justesse. N'est-ce pas de l'évangile? You need to know the rightfulness of the gospel. Pas les sentiments, mais la vérité. Not the feeling, but the truth about the gospel. J'ai dit, ce que les gens vont donner à leur Dieu en fin d'année là. What people give to the God at the end of year. Et surtout dans les pays quand il y a des remaniements, mon Dieu. When we have a reshuffling of the government. Vous ne savez pas ce que les gens font. Hein? You don't know what people do. Pour assurer son poste de DG, vous ne savez pas ce qu'il fait. To secure the position, we don't know what we do. Mais s'il le fait à son Dieu, if he does it for his God, et puis ça réussit à annuler toi tes prières et tes jeûnes, and he can cancel your prayer and fasting. Moi, mes sœurs, pardon de dire ça comme ça, mes sœurs là, my sisters, quand elles sont en compétition avec un homme sur une femme, when they are competing on a man or pardon, a woman, quand elles sont en compétition avec une femme pour acquérir un homme. When they are competing, la soeur en Christ, elle va jeûner 3 jours secs. The sister will fast 3 days dry. Mais ma soeur à moi, but my sister, elle va aller offrir des taureaux. She'll offer some bulls. Maintenant, quand elle vient et elle se présente, when they come and present themselves, toi tu viens, tu es amaigri. You come and you're very weak. Et comme dans la tu es bénéfice. Et comme dans la dynamique du jeûne, tu tues ta chair. See, in the fasting, you donc forcément, bon, il y a des choses qui sortent aussi. Then we can some part y a of de la transpiration, il y a beaucoup de choses. Elle vient, elle est fraîche. She's coming, looking tranquille. Beautiful. She is fresh. Quand elle parle, même son haleine est fraîche. She has, let's say, a fresh breath. Bon, tu veux que le monsieur là, il fasse quoi? What do you want a man to do? Ce que je dis là, c'est la vie ou c'est pas la vie? What I'm saying is life or donc not. Dites-moi, c'est la vie ou ce n'est pas la is vie? Is it life or not? C'est la vie. It's life. C'est la vie. It's life. C'est ça ce qu'on n'a pas compris. This is what we did not understand. Et c'est pourquoi that's why les chrétiens Christians sont les plus pauvres are the poorest avec le Dieu riche. With the rich God, the wealthy God. Mais la pluie tombe sur tout le monde. Les règles sont universelles. The rules are universal. Il n'y a que le salut pour aller au ciel là, c'est Jésus-Christ. Mais il y a des règles pour tous les humains. We have some rules for all human beings. C'est ça que tu dois comprendre. That's what you have to understand. Il y a un monsieur. A man. Que j'ai fixé et je lui ai dit, Papa Dra était choqué. I looked at and I said that he was shocked. Je lui ai dit, vous êtes dans cette église. You are in this church. Regardez tout le travail que cet homme de Dieu fait pour look vous. Look at all the work this man is doing for you. Vous ne donnez rien. You give nothing. Le Seigneur me dit de vous dire. The Lord is asking me to tell you. Sur le champ. On the spot. De lui bâtir un hôtel. To build an altar for him. Donnez-lui une chose que vous n'avez jamais donnée à Dieu depuis que vous êtes vivant. Give him something you have never given to the Lord since you're alive. Il s'est levé, il a dit c'est vrai. He said it's true. Je donne 35 millions. I'm giving 35 million. Écoutez-moi. Listen to me. Il a donné les 35 millions. He gave the 35 million. Aujourd'hui, je te parle. Today, il vient d'être nommé ministre au Togo. He has been appointed a minister in Togo. Non, si tu veux acclamer, tu acclames bien. En fait, in fact, les gens ne comprennent pas. People don't understand. Vous pensez que do you think that
Vous pensez que ce milieu-là, do you think that this place, tu es rentré là-bas, c'est 300 000, 500 000, tu vas venir mettre un hôtel. 300,000 or 500,000. Regarde la taille, regarde le poids de ce que tu veux. Look at the weight of what you desire. Aller au ciel, c'est gratuit. Going to the heaven free. Mais à part ça là, but apart from that, faut que tu mettes dans ta tête, you need to have in your que mind, tu auras des prix à payer pour tout, même pour l'onction. You'll have some prices to pay even for the anointing. Et il faut que tu comprennes, and you need to understand, qu'on n'achète pas la grâce de Dieu. That we don't c'est impossible. Buy, we don't buy God's grace, it is impossible. Mais c'est un principe. But it is a principle. Va donner le micro à celle qui était au fond là-bas. J'insiste parce que je sens comme une onction qui vient de là-bas. Je suis Zorkote Nadine, épouse pour... Eh bien, n'enlève pas pour ton père. Papa, j'aimerais savoir, quand tu viens d'une famille musulmane... Comme toi. Oui, comme moi. J'aimerais savoir, le principe des hôtels, est-ce que se présenter à l'hôtel, bâtir un hôtel, suffit pour se retirer des constellations? Regardez là, tu mettais le voile, non toi? Oui. Tu vois, tu parles de constellations, voici, et à la réaction ici. Elle a le même problème. On est en direct, donc c'est délicat. C'est délicat. Amen. Mais le Dieu lune est à la fois une constellation. Ok? Donc, tous ceux qui se retrouvent là fonctionnent avec le Dieu lune. C'est un hôtel. Comment sortir d'un hôtel que le diable a détourné et qu'il a habité sans passer par le principe d'un hôtel divin? À ce niveau-là, tu ne combats pas un esprit. Tu combats une domination, un simple esprit. Et une domination, c'est un esprit roi. Donc dans la classification des esprits, les dominations sont au sommet. Les princes sont plus bas. C'est un vrai combat. Je m'en suis sorti. C'est pareil pour toi. Elle, quand je faisais sa délivrance, je voyais des écritures, pas à l'œil nu, sur sa main, sur son corps, en arabe. Ta délivrance m'a un peu fatigué. Hein? C'était sérieux. Et quand je demandais d'où ça vient, mais ça venait justement de certaines écritures qui étaient faites, qui étaient lavées avec de l'eau, qui devaient être utilisées, mais qui en réalité écrivait sur elle spirituellement. Ça encore, c'est le mystère des autels et des alliances. Donc la réponse est dans ta question. Tu dois avoir une vie en tant que sacrifié pour la gloire de Dieu. Quand toi-même, tu as un sacrifice, donné à Dieu n'est plus un problème. C'est quand tu ne l'es pas que ça pose problème. Amen. Écoute Dieu sur la question. Tu as de grandes choses à prendre en cette fin d'année. Pourquoi nos parents, pour adorer le diable, doivent avoir un fétiche? Why our world to worship the devil must have c'est un hôtel, a fetish? Hein? It's an altar. Dans tous les villages. In all villages. Pourquoi il parle pas directement aux ténèbres? Why doesn't he speak pourquoi doit-il to the darkness? Avoir un vaudou en réalité qui est un hôtel démoniaque? Why do we need to have a vaudou which is a demonic altar? En fait, moi je me rends compte que Satan a tellement bien appris. I realize that Satan has well learned things. Il a tellement
tellement bien appris qu'il enseigne à ses adeptes that he teaches to his members. Qui ne peuvent pas avoir l'intervention du surnaturel sans passer par un autel. Mais that, malheureusement, ce sont des autels démoniaques qui produisent la mort. Demonic altar produce death, unfortunately. Mais le principe est le même, il utilise. But the principle is the same. Vous comprenez ça? Do you understand it? Qui est béni ce matin? Who is blessed this morning? He uses it. Si vous êtes en autorité dans la société, if you are in authority in society, il y a des démarches à mener pour conserver ce que vous avez. There are some approaches to keep what you have received. Il y a des démarches à mener pour aller plus loin. There are some endeavors even to go further. Dans ce ministère de délivrance, in this ministry of deliverance, quand je me tiens sur l'autel de Dieu, when I stand on the altar of God, je suis invincible. I am invincible. Je pèse mes mots. I'm weighing my word. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Do you understand what I'm saying? Ça, c'est la question qui est en train de venir dans l'esprit de quelqu'un. Mais moi, j'ai bâti des autels, je ne vois pas les résultats. I build altar, but I don't have the results. J'ai commencé à t'enseigner les autels dans le B.A.B.A. I started teaching you the building blocks of the altars. Parce que tu n'as pas forcément la maturité pour qu'on aille vers le beaucoup plus haut. Because you don't have the maturity to fight at a higher level. Je peux t'expliquer le mystère des balances. I can explain to you the mystery of the scales. C'est la Bible. It's in the Bible. Tu es sauvé par la grâce. You saved by the grace. Mais tu es récompensé par tes actes de foi. But you are rewarded by your action of faith. Donc tes actes de foi là. The action of faith. Il doit avoir une équivalence entre tes actes et la récompense qui doit être donnée. There must be an equivalent because your action and the reward. Il n'y a pas de récompense sans des actes de foi. No reward without action of faith. Éphésiens 2 verset 8. Ephesians 2 8. Tu comprends? Do you understand it? On peut se lever. We can stand up. Aujourd'hui, je vous ai enseigné que soit on va vers le trône, I taught you about où il y a l'épée, we either go to the front with the sword, soit celui-même qui est sur le trône va vers un autel, or the one on the front go to an altar, pour qu'il n'y ait pas de permutation négative. For negative permutation not to be. Est-ce que ça a été bien compris? Did you well understand it? Lève les mains et rends grâce pour ce message. Lift up your hand and give grace to that message. Déclare éternel, declare Lord, que tout autel de permutation, any altar of permutation, dressé pour voler ce que tu me donnes, erected to steal everything you give me, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Be destroyed in the name of Jesus. Éternel, Lord, que ce qui est à moi, may what is mine, qui se retrouve entre les mains de mes détracteurs, in the hand of my detractors, soit relâché en ma faveur au nom de Jésus. Be released in my favor. Éternel, Lord, que tout agent des ténèbres,
May any agent of darkness qui combat ma destinée fighting my destiny pour la détruire to destroy it soit anéanti au nom de Jésus. Be annihilated in the name of Jesus. Éternel, Lord, que tout décret de permutation satanique any decree of satanic permutation pris sur un autel taken on an altar et qui transfère ce que tu me donnes ailleurs transferring elsewhere what you give me par la loi de la permutation by the law of permutation soit anéanti au nom de Jésus. Annihilated in the name of Jesus. Éternel, Lord, j'active ton autel en ma faveur. I am activating your altar in my favor. Que les anges may the angels établis sur l'autel de l'église ambassade des miracles establish on the altar of miracle embassy church travaille à restituer work for the restitution par le nom de Jésus by the name of Jesus tout ce qui m'a été volé everything that was taken away from me donne-moi give me d'être un être spirituel to be a spiritual being donne-moi de comprendre allow me to understand les enjeux du temps dans lequel je suis the challenges of my time donne-moi de bien comprendre la saison allow me to well understand the time et d'agir selon la saison and to act accordingly au nom de Jésus-Christ in the name of Jesus Christ amen amen.